Et salut à tous les amis, c'est Choupi, on se retrouve pour l'épisode 24 de l'île des Creepers. Donc avant toute chose, petit réglage habituel, on va mettre en normal. J'ai oublié de vérifier tout ça, ouais ok. Donc, la suite de cette aventure, on va attendre un petit peu que ça se génère. Alors pourquoi j'ai pas mon skin, j'en ai absolument aucune idée, ma foi c'est pas grave, hein. On va jouer en mexicain pour cette fois. Vous m'en voudrez pas. Et donc voilà, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vais baisser un petit peu le son de mon jeu. Voilà. Donc, comme je disais, j'espère vraiment que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Une très bonne année à vous. Voilà, je vous ai laissé un petit message sur la chaîne, mais peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas vu. Parce qu'avec le nouvel accueil YouTube, c'est vrai que c'est pas terrible. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonheur pour cette année 2014. Sachez que je serai là tout au long de cette année. Je vais essayer de faire un maximum de vidéos, essayer encore et toujours de m'améliorer au niveau du commentary, de la qualité de mes séries, de l'originalité. Ah, Milu joue à Payday 2. J'ai oublié de me déconnecter de Steam, c'est pas très grave. Je sais pas si vous voyez ou si ça enregistre uniquement mon jeu. Sinon, bah, dites coucou à Milu. Voilà. Donc voilà, on va continuer notre aventure. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Durant ces 2 semaines de vacances, et ben, j'ai pris des vacances, tout simplement. J'ai eu des problèmes de connexion. Ça a l'air de s'arranger. Donc on va voir. J'ai eu des problèmes de santé. Enfin, c'est pas... C'est pas que j'ai eu des problèmes de santé, c'est que j'ai toujours eu des problèmes de santé et que j'étais un petit peu fatiguée. Cette période de l'année, c'est toujours un petit peu fatigant. Et voilà, même le temps n'arrange rien, comme il fait gris, tout ça. J'étais pas spécialement en forme pour filmer, donc je me suis dit que j'allais peut-être prendre un peu des vacances, profiter pour me reposer, faire la fête. Et en plus, comme j'avais des petits soucis de connexion, c'était compliqué. Donc là, en principe, ça va reprendre. Et en principe aussi, si je me suis bien arrangée, vous avez déjà vu une nouvelle vidéo annonce qui vous explique que je vais prendre de bonnes résolutions pour cette année, c'est-à-dire que je vais mettre en place très certainement un planning. Je filme l'île des Creepers bien avant d'avoir déjà réfléchi au planning, mais il se peut fortement que vous ayez la vidéo annonce, pardon, avant cette vidéo-ci. Là-bas, il y a un petit Creeper, on va aller le chercher. Alors, c'est quoi ça? Oh, ok. Donc voilà, je vais essayer de faire un planning régulier. Je vais également continuer la série déco avec Yamiko si ma connexion me permet de filmer avec lui. Je vais essayer de changer de logiciel de montage parce que Vegas, c'est pas terrible, ça assombrit les vidéos. Je vais réfléchir à une nouvelle série après pour la suite de l'île des Creepers. Ah oui, c'est vrai, ça c'est un truc en or pour ça. Je vais éventuellement aussi vous proposer très bientôt une série multi. C'est pas encore très sûr, mais en principe ça devrait se faire. Désolée encore une fois si vous entendez mon PC qui fait du bruit. Ça par contre, je sais absolument pas comment faire pour éviter qu'il tourne comme ça. J'ai essayé d'enlever la poussière avec un aspirateur, mais ça n'a pas marché. Alors je sais pas comment on fait. Enfin en tout cas, il n'y avait pas de poussière dans l'aspirateur, donc je suppose que ça n'a pas aspiré grand-chose. Je raconte un peu ma vie, mais bon voilà. Bon là, il n'y a pas grand-chose. 4 de poudre. Allez, on va remonter. Et je sais plus qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Comme ça fait plusieurs semaines que j'ai pas filmé, faut que je me remette un peu dans le bain. Tiens, je vais te donner à manger, toi. Bon appétit. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais dit qu'il fallait faire? Toura Mob, vous m'aviez dit. Alors, je sais pas trop comment je vais faire encore, mais je vais peut-être faire un espace fermé où les creepers pourront popper.
Ensuite, vous m'aviez dit, je pense que c'est tout. Je suis en train de réfléchir, mais pour ce qui est des enchantements et tout, ben, c'est en cours. De toute façon, ça va être la nuit, donc je vais juste faire le pain. Hop. Bon, c'est dommage, je suis déçue là que mon PC fasse encore autant de bruit. Bon, après, c'est peut-être normal. En tout cas, il souffle. C'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression qu'il souffle un peu moins qu'avant. Je sais pas, on va voir. Alors, on va ranger ça. Ouais, on va le ranger, je pense. Hop. Donc voilà, ça avance très lentement, mais j'attends vraiment d'avoir l'épée avec looting. Et j'ai plus de fer, il me semble. Donc il va falloir qu'on aille miner aussi. Ça fait partie des choses qu'il faut qu'on fasse. Ouais, j'ai plus trop de fer. Je vais regarder dans les fours. Ouais, non, j'ai plus grand chose. Il va falloir que j'aille miner. Mais comme j'ai déjà exploré quasiment toute la grotte déjà en bas, je sais pas trop où je vais trouver. Parce que attendez, ma mine elle descend vers là-bas. J'ai descendu vers là-bas aussi. D'ailleurs, je suis descendu, c'est mieux que j'ai descendu. Je sais pas. Il faudrait peut-être que j'essaye d'aller par là-bas. Je sais pas trop. Faut que je regarde un peu où j'ai déjà creusé. Où c'est possible de creuser. Donc, niveau nourriture, ça va bien. Depuis qu'on a fait nos champs, ça va nickel. Il faut également que je progresse. Enfin, que je continue pour la table d'enchantement. Donc on va ramasser ça. Mais ce qui nous manque vraiment, c'est le cuir, malheureusement. Voilà. Hop, on va ramasser tout ça. Alors j'ai oublié de regarder quand est-ce que j'avais commencé, mais c'est pas grave. On va dire que ça fait à peu près 10 minutes. Même pas. Bon, on va voir. On va voir ça. Allez, toi. Je vais essayer également d'économiser les balles de pistolet. C'est-à-dire que je vais essayer de tirer uniquement quand il y a plusieurs creepers autour de moi, pardon. Donc vraiment quand je suis en danger. Ah oui, c'est vrai, c'était une épée en or. Bon bah. Juste ramasser l'XP parce que ça fait pas de mal. Voilà. Hop. Y a pas beaucoup de creepers par là. Bon, au pire, hein. Hop. Chouette. Niveau 5. Oula, oula, oula. J'ai tourné la tête d'un coup, je savais plus trop où j'étais. La petite musique de Minecraft qui vient. Laisse-moi ramasser la poudre. Le bleu, je m'en fous, je vais le laisser. Oula, il y a du monde. Quand même. Si j'arrive à avoir les 3 sans les faire péter. Les 4 même. Bon, lui, je m'en fous à la limite s'il pète. Nickel. Ben voilà, ça va, je m'en sors bien. On va déjà avoir 13. Ouais, presque une quinzaine de poudre. Donc je vais aller chercher cela là-bas. Je crois qu'il y a un rouge dans le coin. Non, ça va. Par contre, j'ai faim. C'est pas très prudent. Voilà. Parfait. C'est parfait. Ouais, mon PC chauffe quand même pas mal, hein. Je sais pas, j'ai pas de solution. J'ai beaucoup beaucoup d'ennuis avec mon ordinateur. Pourtant, j'essaye d'en prendre bien soin. Mais voilà. Il semble que j'ai pas de chance. J'ai également des problèmes avec Windows. Il ne veut pas. Il ne reconnaît pas la clé. Il me dit que ma licence n'est pas valide. Alors que bien évidemment, elle est valide puisque bah, c'est le Windows qui était dessus lorsque j'ai acheté mon ordinateur. Mon ordinateur neuf, je précise. Donc, eh ben. Oula, bah lui, du coup, il a eu mal. Donc, je suis obligée de comment? Comment dire?
de taper une commande dans l'ordinateur pour réinitialiser la licence, voilà, c'est ce que je cherchais. Mais le souci, c'est qu'à mon avis, c'est pas éternel. Tous les 3 jours, je dois réinitialiser la licence, mais à chaque fois, il me dit quand même qu'elle est pas valide et j'arrive pas à activer ma licence. Donc voilà, je sais pas ce qu'il faut faire et je risque de perdre plusieurs fonctions de Windows et je sais pas ce qu'il faut faire. Dans le pire des cas, je renverrai mon PC parce que c'est pas normal. Il y a Dylan que je remercie qui m'a redonné une nouvelle clé Windows. Mais malheureusement, ça me fait le même problème. Donc, à moins de craquer Windows, mais je voudrais pas en venir jusque-là quand même. J'aimerais rester dans la légalité. Donc on verra bien, mais sinon, ils iront se faire voir, je renverrai mon PC, je leur dirai que Windows marche pas. Et on verra. Donc voilà, je vais essayer de filmer un maximum. Tant que mon Windows. Tant que je peux réinitialiser mon Windows, mais à chaque fois, je pense qu'il y a une certaine limite. À chaque fois, je vais pas. À un moment, ça va bloquer en principe. Donc voilà. Donc je vais essayer de filmer un maximum de vidéos. Si mon PC. Si je suis amenée à renvoyer mon PC pour ce petit problème de surchauffe ou bien pour ce problème de Windows, je vous tiendrai bien évidemment au courant. J'ai un autre PC, hein. Enfin j'ai un autre PC. Ma maman a un PC, donc je trouverai bien un moyen de vous faire une vidéo, même si c'est une vidéo IRL tournée avec une caméra pourrie, c'est pas grave du moment que vous êtes au courant. Donc voilà, là je vais filmer un max de vidéos, je vais essayer de bien m'organiser pour vous sortir le programme, pour vous faire un programme assez régulier. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Mais j'espère vraiment que je vais trouver une solution pour mon ordinateur. Parce que c'est vrai qu'il va pas trop bien, j'ai plusieurs soucis avec, et que si j'ai plus de PC, comment vous dire que ben j'ai pas les moyens du tout de m'en acheter un autre. Donc si je suis amenée à vraiment avoir des gros soucis avec et que je peux plus m'en servir, pour l'instant ça va. Mais si un jour je peux vraiment plus m'en servir pour une raison ou pour une autre et que je dois le renvoyer et qu'ils ne peuvent pas me le réparer, ou voilà, je suis désolée mais je devrais arrêter les vidéos, donc on n'en est pas à là. Mais il est clair que si je ne trouve aucune solution pour mon PC et que son état se dégrade, je pourrais pas me repayer un PC. Et par exemple, celui que j'ai actuellement, j'ai mis 4 ans, voire plus de 4 ans, pour réunir la somme d'argent pour l'acheter. Donc il va falloir à peu près le même temps si je dois en racheter un autre. Donc il est clair que je pourrais plus faire de vidéo, malheureusement, j'espère que ça n'arrivera pas. J'espère que je trouverai une solution pour la surchauffe, une solution pour mon Windows. Mais voilà, je vous tiens au courant parce que lui il est mort. Ah non, même pas. Parce que c'est important que vous sachiez que j'ai des petits soucis. Et que ça risque de pas être éternel. Ah, crotte! Dommage, j'aurais pu avoir les deux. Oh, c'est bête. Bon, c'est pas grave. Allez, en attendant, on va continuer notre série. Je vais arrêter de parler. Hop. Je me sers beaucoup de cette série pour vous informer parce que c'est celle où vous êtes le plus nombreux. C'est celle. Oh, du pain, chouette! C'est, je sais pas si ça se dit, c'est celle où voilà où il y a le plus de viewers, donc c'est pas trop mal pour vous informer de ce que je fais, tout ça, je vous oublie pas, j'aime toujours autant YouTube, c'est juste que j'ai des problèmes de connexion, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes avec mon PC et voilà, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai toujours trouvé des solutions pour vous proposer des vidéos, donc. J'espère que je vais trouver. Pour l'instant, ça va. Là, ma connexion a l'air d'aller, donc c'est le principal pour l'instant. Donc voilà. Je vais voir avec. Oula, bonjour! Avec Yamiko, quand est-ce qu'on peut tourner la série d'écho? Ah, il y en a un autre ici. Heureusement que je l'ai vu. Il m'arrivait encore dans le coin. Hein? C'est l'ego, va. Méchant.
Bon, allez, je pense qu'on va remonter. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme. Alors, attendez. Là, je suis dans quelle direction par rapport à ma tour? Alors, il y a un autre creeper ici. Je suis en train de réfléchir. Ma tour est là. Donc, je descends vers. Donc, j'irai voir. Donc je descends vers le sud. Là je descends vers le sud. Je descends également vers là-bas, l'est. Et vers le nord, je crois que j'ai rien. Et vers l'est non plus. Ah oh non, pas lui. Pas lui, pas lui. Oh putain. Je dis beaucoup de grossièreté. C'est pas bien. Faut que je me reprenne. Oh my god. C'est bon. Je suis chaud. Potato. Et j'ai déjà 19 levels. J'avais pas vu. Donc, si j'ai un peu de fer sur moi, je n'ai pas de fer sur moi, dommage. Je vais aller faire une épée. Vite fait, puis on se laissera là, je pense. Parce que là, de toute façon, mon PC est déchargé. Donc, je vais couper l'épisode. Et donc voilà, comme d'habitude, je vous incite à laisser vos avis sur cet épisode. À communiquer avec moi. Même si je réponds pas toujours à vos commentaires, je les lis tous, absolument tous. Bon, c'est pas que vous êtes très nombreux à mettre des commentaires, mais voilà, je le dis quand même que je les lis tous. Et c'est important de discuter avec vous, de connaître votre avis, de savoir ce que vous en pensez, si vous aimeriez une série ou voir quelque chose sur ma chaîne, je suis preneuse. Si vous avez des commentaires sur tout et n'importe quoi, franchement, voilà, allez-y, proposez, J'ouvre le dialogue parce que c'est important. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous en remercie, mais je tiens quand même à toujours autant pouvoir discuter avec vous et avoir votre avis, vos idées, vos envies, tout ça, tout ça. Donc je vais juste enchanter mon épée. Allez, on va la faire level 6. Suspense, knock back comme d'habitude. Donc voilà, on va se laisser ici avec le mouton. On se retrouve pour l'épisode 25, très bientôt, je l'espère. En attendant, je vous fais plein de bisous et allez, à la prochaine. Ciao et bonne année encore. Bisous.